Maybe I'm a little lost. Bon matin! J'espère que ça va bien. Alors, je sais pas si on voit mes yeux et qu'ils sont encore collés. Il est 8h, j'arrive au gym. Je sais pas si on peut voir, mais je suis au gym. Je feel qu'aujourd'hui, ça va être un gros vlog dans ma voiture, la voiture en tour, dans les autos en général. Fait que j'espère que vous êtes prêts. Mais ça va être tout aussi intéressant, on s'entend. J'ai terminé de travailler hier, il était quand même tard. Pour vrai, il était quand même tard. Puis j'ai fait une fichue de grosse erreur. Ouais, j'ai fait une méchante grosse erreur au travail. J'ai punché comme la mauvaise affaire, une assiette qui valait vraiment plus cher. Fait que Anto et moi, on s'est retrouvés à manger un demi-homard et un filet mignon hier soir à 11h30. Fait que ça l'a bien dormi. Je peux vous dire ça, là, bien rempli, ça dort bien. Fait que là c'est ça, j'arrive au gym, c'est la première fois de la semaine que j'y vais. Je pensais y aller hier, mais j'étais tellement pas motivée que je me dis, garde, c'est pas grave, ça sert à rien que tu y ailles, anyway, tu vas faire les choses à moitié. Fait que on est juste allé marcher hier matin à la place, et puis dans ce que j'ai fait hier sinon... Ah oui, c'est vrai, ben, dans le fond j'ai vlogué hier, là, mais j'ai préparé tout mon stock pour le Festival de vie de Québec auquel on va aujourd'hui. On va voir Kygo ce soir, j'ai tellement hâte, il fait tellement partie de mes artistes préférés. Fait que j'ai vraiment hâte. Alors si jamais vous voulez aller voir ce vlog-ci, le lien pourra être en barre info. J'ai mis ce matin une petite camisole optional floating, puis j'étais pas sûre si je mettais des shorts ou des capris ou des leggings, mais... Je suis allée avec mes leggings d'Urban Planet. C'est vraiment mes leggings d'entraînement préférés. Je trouve vraiment que c'est ceux qui, genre, qui gardent tout en place. Puis tu sais, ils se loussent pas, puis ils montent genre vraiment haut. Fait que j'aime vraiment ça. Fait que là, je faisais juste terminer mon petit café, essayer de me réveiller un petit peu, puis après ça, on va aller s'entraîner. Let's do this! Je m'en vais rejoindre mon frère, on va aller travailler un petit peu, mais je pense qu'avant, j'ai grandement besoin d'un café. Check là. Mounette! Allô? Comment ça va? On est là, on travaille fort. Je suis revenue à la maison, je viens juste de terminer de me préparer et puis je suis en train de préparer mes petites choses. Dans le fond, j'ai préparé la majorité de mes trucs que je voulais apporter hier, mais il me reste mes affaires de dernière minute, genre mon make-up, un crème hydratante, ce genre de choses-là. Fait que c'est ce que j'étais en train de rassembler. Il me manque juste ma crème de nuit à prendre. Je pense que je vais prendre ça. J'aime toujours ça me garder genre des petits samples ici. Fait que comme ça, quand je vais à l'extérieur ou whatever, j'ai toujours comme des petits formats à apporter. Puis ça m'évite d'avoir amené comme des grosses affaires de même. Fait que j'ai mon sac de maquillage ici. J'ai ma crème comme ceci que j'aime tellement. C'est pas une crème en fait, là. C'est une lotion bronzante pour le corps de L'Oréal. Je l'aime tellement. J'avais trouvé à la vente L'Oréal. Je l'ai pris dans la teinte moyenne. Puis j'aurais tellement aimé ça en avoir... comme un dans la teinte plus pâle puis un dans la teinte plus foncée, mais j'en trouve plus nulle part, fait que je sais pas si c'est discontinué. J'ai regardé sur Amazon, mais c'est comme 5 fois, je pense que ça revenait à 30$ pour un truc comme ça qui que je pense j'ai payé genre 3$, fait que j'étais comme well, va falloir peut-être retourner à la vente L'Oréal pour que je m'en procure un, mais si jamais vous savez où je pourrais en trouver, là, dites-moi ça en commentaire. Ça me ferait tellement plaisir de savoir ça, s'il vous plaît. Je m'amène des petites lingettes démaquillantes, c'est pas le best, là, mettons, environnementalement parlant. Mais quand je voyage, c'est toujours ça que j'apporte. Et puis des petits Q-tips. Fait que je pense qu'avec ces 4 affaires-là, on va être pas pire. J'attends qu'Anto revienne. Dans le fond, il va juste nous rester nos oreillers et des draps à apporter. Et puis, checker ça.
Je jouais avec Taz tantôt, puis il m'a graffiné sans faire exprès. Ça chauffe tellement, puis ça paraît tellement, je trouve, là. C'est vraiment pas cute. J'attends qu'on tout revienne pour qu'on finisse de pacter le stock. Et puis, Condine, là, il est parti se chercher des lunettes. Dans le fond, depuis qu'il a commencé à travailler à son compte, là, sa vue a extrêmement diminué. Fait que, il est allé se chercher des lunettes de vue avec la compagnie québécoise Tabarnik, avec qui on a déjà travaillé dans le passé. Je pense que c'était l'année passée ou l'automne d'avant. Bref, Anto avait fait des photos pour eux autres et puis il a pensé à eux autres quand il est venu le temps de choisir où prendre ses lunettes. Fait que j'ai vraiment hâte parce que j'ai même pas vu à quoi il ressemblait encore. Ses lunettes, puis lui avec des lunettes, c'est la première fois que je vais le voir avec des lunettes de vue là. Il y a toujours ses lunettes de soleil, ça c'est un incontournable, mais ses lunettes de vue, je l'ai jamais vu. Vu. Fait que je pense que c'est ce que je vais faire. Là, on n'a pour vrai absolument rien dans le frigo. Fait que c'est un tout ski ce midi. Ben, c'est pas trop pire. Là, on va manger du blé d'Inde. Même ça, qu'on mange tout le temps ça. Fait que je vais préchauffer le four en attendant qu'Anto arrive. Fait que comme ça, quand il va arriver, on va pouvoir manger et partir pas longtemps après parce que, oh my god, mon self-tan. Checkez ça! Oh wesh, c'est dégueulasse. Je vais arranger ça plus tard. Mais. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va, on va essayer de pas arriver là-bas trop tard parce que je sais qu'Anto voulait faire des photos aussi tant qu'à être à Québec. Tu on veut quand même prendre notre temps, planifier nos petites affaires, comment on va se rendre là-bas et tout. Bon, fait que nos affaires sont prêtes. On a dîné, on a mangé notre blé d'Inde. C'était bien bon. Tu veux-tu venir nous montrer ta nouvelle acquisition? Oh, un beau petit chat! Oh! Il est beau! Non? Ouais, ça fait bizarre. Oui, c'est beau, j'aime ça. Il ressemble vraiment aux miennes, je trouve. Les tiennes sont juste noires, les miennes sont brunes, exactement pareil. Ouais. Les miennes sont pas noires. On est en chemin, on est à peut-être une heure. La route va de bon train. Ça se passe bien. On a eu une idée. On se disait que ça pourrait être le fun d'animer. Ben en fait, j'ai eu une idée en tout à acquiescer. Je me disais que ça serait drôle de jouer à qui de nous deux, trois petits points. Là, j'ai trouvé une liste sur mon téléphone, genre sur internet, de plein de choses pour se demander. Fait que. Je sais pas si c'est vraiment bruyant à cause de l'auto, mais on essaie de faire du mieux qu'on pouvait. Qui de nous deux dit le plus souvent je t'aime? J'aurais dit égal. Ouais, moi aussi j'aurais dit égal. Ouais. Qui de nous deux fait le plus souvent des massages? Toi. À toi? Ouais. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça le plus là. Oui. Pas des massages à n'importe qui. Tu fais des gratouilles. Essaye d'en trouver un nice, là, c'est poche. Qui de nous deux est le plus drôle? Moi. Hein? Non. Non? Ben oui. Moi? Ah oui. Non? Ouais. On est drôle? Ben oui. On est drôle. Le monde ne sache pas. Non, c'est ça. On est drôle. On a le même genre d'humour, par exemple. Ouais. Moi, je suis vraiment sarcastique comme personne. Toi, t'es pas sarcastique, mais t'as un esprit tordu. T'es vite sur la switch. Ouais. Vite sur la bitch switch. Qui de nous deux ronfle le plus la nuit? Moi. Qui de nous deux a le plus. Qui de nous deux a le plus le sens de l'orientation? Clairement, moi. Ouais. Clairement pas moi. Non. Qui de nous deux est le plus impulsif? Je pense, je dirais moi. Ouais, ouais, je suis pas pire aussi. Pas nécessairement dépensé, genre impulsif. Ah, ouais, ouais, ouais. 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 Patience aussi, tiens, une patience. Et on est pas mal égal là-dessus. Tu m'as surpassé. L'élève a surpassé le maître. Là. On dirait qu'en glissant, je suis plus. Plus patient, puis moi, j'ai moins de patience. Ah, ouais, t'es bien. C'est juste des niaiseries qui me font pogner les nerfs en plus. Mais fort! Dans le chat. C'est que toi, tu penses que genre, je suis vraiment fâchée, mais je suis juste comme. Hey! Là, je lève le ton. Avec le chat, pas avec toi. Nunu est le plus bordélique. Clairement, moi. Tu dirais dans ton. Ouais. Un petit peu, ouais. Un peu, oui. Qui de nous deux conduit le mieux? Je dirais que tu conduis le mieux. Mais genre, je suis pas pire. Ouais, t'es pas pire. Ben, t'es pas pire. Tu chauffes bien. Je chauffe bien. Les deux, on chauffe bien, mais Anto chauffe extra bien. Merci. Je suis un vrai pilote de course.
Oui. Juste pas le char d'eux. Qui de nous deux a été le premier à avoir le béguin pour l'autre? Toi. Ouais. Qui voulait pas de moi? Toi. Toi. Qui de nous deux est le plus maladroit? Toi. Ben, je suis pas pire. Ben, toi aussi. T'échappes tout dans tout. J'échappe tout, mais j'ai des bons réflexes. Genre, je peux rattraper des choses au vol. Faudrait que tu le fasses. Qui de nous deux a le plus souvent le dernier mot? Personne. Ouais. On s'ostine. On s'ostine tout le temps. On finit sûrement en même temps. Ouais. On se tanne en même temps. Ben, c'est correct. Vraiment. Ça fait. Ça entraîne le cerveau. Faire de l'improvisation. Ça, mais aussi, c'est bon pour les relations d'être capable de parler, de discuter, puis de. Terminer une conversation sans aller sur son téléphone parce qu'on veut pas la finir. Ben, souvent, c'est ça qu'on fait. Mais on revient et on fait comme. Ouais, que... t'avais raison. Là. Ouais. On nous prend du temps, c'est ça l'affaire. Je suis capable d'admettre que j'ai tort, genre. Mais quand je sais pas, je suis comme. Mais de quoi tu parles? Moi aussi, je suis capable d'admettre que j'ai tort. Ouais. Mieux qu'avant. C'est vrai. Ouais. Quand c'est connu, là, tu parlais pas bien de, mettons, de ce que tu ressentais pis tout, là. Ouais. J'ai changé. J'ai évolué. Qui de nous deux porte le pantalon? Je porte une robe. Je t'en cheveux. Tout le temps avec tes mains. Une paire de cheveux forever. J'en ai plein, mais... Non, qui porte, de nous deux porte le pantalon, ça veut dire c'est qui porte les culottes. Ouais. Pas de culotte. On décide ce qu'on a envie, puis. On décide ensemble. Et souvent, on. Ben, on fait ce qu'on a envie de faire. Ouais. T'sais, si, mettons, tu veux aller faire de quoi, puis moi, ça me tente pas, ben, je le dis, puis c'est d'attitude. Puis je vais y aller tout seul. Ben, même chose pour toi. Ouais. On sera pas fâchés, là. Non, on s'empêchera jamais. Ouais, c'est ça, on s'empêchera jamais de faire quoi que ce soit, puis que l'autre fasse. Whatever, si je veux partir une fin de semaine avec mes chums, je vais y aller pis... Ouais, non, t'as rien... non, mais t'sais, y'en a qui feraient... Fuck off. Ouais. Tu t'en vas pas une fin de semaine avec tes amis... Mais je trouve pas ça sain, c'est ça l'affaire. Pas en doute, pis t'sais, moi si mettons j'ai envie de faire ça, ben là t'sais, tu pourras pas faire... Non. Ben non, pas en doute. L'une d'eux est toujours en retard. Personne. Les deux, on est toujours à l'heure ou en avance. Ouais. Qui d'une deux est le plus câlin? C'est quoi ça veut dire? Un colleux, je sais. Un câlin, c'est un... C'est un colleux. Ah! C'est pas les deux? Ouais. On n'est pas... On est pas... C'est parce qu'on prend pas le temps, on dirait. C'est trop occupé. C'est triste. Trop occupé pour se coller. Hey, c'est triste de même. Alors, c'était tout pour ce segment... Apprends à nous connaître. C'est bien drôle. Ça nous fait savoir qu'il faut plus se coller. Fait qu'on a à peu près encore pour une heure et quelques selon le trafic de route. On n'a même pas passé encore de Madrid. Aïe, on n'a même pas la moitié. Bref, on va possiblement manger du Ashton pour souper. On va regarder aussi qu'est-ce qu'on veut faire comme planning. Est-ce qu'on veut prendre Uber, la voiture, pas le métro, il n'y en a pas, l'autobus, whatever. Fait qu'on va tout penser à ça et puis on va laisser le temps passer en attendant d'arriver. On s'est mis la playlist de Kygo pour poursuivre la route. On vient d'arriver à Québec. Dans le fond, c'est ça. On est à l'appartement. D'habitude, on a l'appartement qui est en haut. Par contre, il est loué pour ce mois-ci. Alors, exceptionnellement, on est comme dans la partie bureau. Il n'y a personne, il n'y a plus de bureau ici. Ils sont en train de tout rénover. Mais c'est ça, on s'est installé un petit lit gonflable juste ici. On va faire du camping. Sauf qu'on a eu de la difficulté avec notre pompe. Fait qu'il est genre à moitié gonflé. On la laisse charger. Le temps qu'elle charge au complet, puis après ça on va pouvoir le terminer, mais on a toutes nos affaires sinon qui sont là. Bonjour. Bonjour. Il est rendu 6h15, ça dit que ça va nous prendre à peu près 30 minutes pour se rendre là-bas. Alors je sais pas vers quelle heure Anto voulait partir, mais je pense que moi je vais comme me repréparer vite vite, me changer, puis être ready to go. Fait que comme ça, dès qu'il va vouloir partir, on va pouvoir y aller. Let's do this. Fait que mon outfit...
J'ai même pas mis mes souliers. J'y suis arrivée, fait que j'ai mis mon petit sac banane, mon top, tout vient du Arden, mes shirts aussi, et puis mes souliers comme ça qui viennent d'Urban Planet, sont des genres de fake Adidas. Fait que là, je vais mettre le GPS pour qu'on sache où s'en aller. Donc on vient de se trouver un stationnement pas trop loin, on est genre à 15 minutes de marche, ça dit, du Festival d'été de Québec. J'étais un peu... Stock. Non, justement. Sad. Ouais, j'étais un peu triste parce que j'arrêtais pas de penser à « Ok, est-ce que je m'amène des pantalons? » Puis je sais comment ça vaut pas la peine. Puis sérieux, on gèle à Québec. Il fait vraiment plus froid ici qu'à la maison. Puis j'étais en shirt puis en chandail, une manche. Un peu triste, j'ai vraiment peur d'avoir froid. Bref, je vais laisser ma caméra ici, mais je vais vlogger sur mon téléphone pour ce soir. On sait pas où on s'en va, mais on entend la musique, fait que c'est bon signe. C'était vraiment noir. Ah mon dieu, il y avait tellement de monde, il va falloir que je parle de toutes les choses drôles qu'on a vues dans la soirée. Parce qu'il y en a eu quelques-unes, mais on marche par la voiture. Il fait vraiment frette. J'avais pas amené mon coton à thé, je l'ai oublié chez nous. Hein. Ben, en tout cas à l'appart, là, à notre luxueuse chambre d'hôtel. Ouais, fait que il faisait un tantinet froid, mais dans la foule, c'était vraiment pas si pire. Fait que, yeah, je suis contente pour ça. Fait que là, tout ça, on se dirige vers la voiture, puis on essaie de trouver notre chemin et... Pouvez-vous croire que c'est moi qui nous guide? Parce qu'Anto s'en souvient plus. Fait que. C'était beau dire que j'avais pas de sens de l'orientation tantôt. On fait un petit arrêt de fin de soirée. Fait que j'essaie de vous le montrer, mais ça paraît pas. On est au Ashton. On attend pour notre poutine et qu'il y a de la lumière. Anto, quand on est parti, il s'est fait arrêter par la police et le gars là. Lui a... Ah, t'es genre dans le noir, on ne voit pas partout. Le gars, le policier, lui disait que... Parce qu'Anto est en train de boire une bière sur la voie publique. À Montréal, techniquement, des fois, c'est accepté quand il y a des festivals, des choses comme ça. Pas partout, mais proche. Puis, fait que c'est il ça. Il m'a spoté loin, mais là. Ouais, il t'a spoté. Puis moi, je fais comme... Chut, Anto! Là, je pense que ça n'a pas aidé la situation. Fait que le policier est venu voir Anto puis dit, maintenant, avec les trucs ici, c'est rendu 250$ d'amende. Puis là, je suis comme... Oh! En plus, on venait d'en passer deux, mais je l'avais bien dissimulé, là. C'était mon affaire. Finalement, il a dit que... Antoine, il a dit on vient pas d'ici, on savait pas, blablabla. Fait que le policier était comme, ok, c'est correct pour cette fois-ci, mais il faut que t'ajettes. Fait qu'il y a pas de problème.
Fait que ça a passé proche d'un beau ticket de 250$. Je savais que j'allais m'en tirer. Pour vrai, là. Ouais. Je m'en doutais aussi, mais... J'étais assez bon menteur. Non, c'est rassurant. J'étais un bon comédien. Pour vrai, ouais, ça a passé. Puis sérieux, là, c'était très, très drôle ce soir. C'était vraiment très drôle. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient beaucoup de drogue. C'était drôle, hein? Hey, je pensais pas que... Je pensais pas que c'était ce genre de festival-là, mais c'était... Il y en a partout. Oui, non, je sais qu'il y en a partout, mais tu sais, comme nous autres, on allait là en tant que... Là, on était vraiment spectateurs first row. Ouais, les jeunes devant nous, ils étaient jeunes, là, puis ils faisaient des affaires devant nous. On était comme, ben voyons donc. C'était drôle. Mais ils avaient le droit, là. Ben, ils font bien qu'est-ce qu'ils veulent, là, mais... Ouais, j'étais comme, ben... Tu sais, pas de sécurité plus qu'il faut, en plus, là, fait que c'était quand même quelque chose. Il y a bien trop de monde. Ouais, c'est vrai qu'il y a trop de monde. Mais bon, c'était vraiment nice. Le show, là, vraiment cool. Même Loud Luxury, très impressionné par eux autres. Puis il y avait Diplo. Diplo? Diplo. C'était tout vraiment des bons shows. C'était super le fun.